À toutes les semaines, tu m'amènes mon enveloppe. Si tu me donnes une enveloppe blanche, c'est que tu me remercies pour mes services en tant que parrain. Si tu me donnes une enveloppe jaune, c'est que tu as un service à me demander. Mais à toutes les semaines, je veux mon enveloppe. Avec 10% de tes revenus pour ta protection personnelle et ton succès dans la vie. Plus l'enveloppe est pleine, lourde et pesante, plus je sais que t'aimes ton parrain. Toutes les enveloppes rentrent. On appelle ça la piso. Le piso. J'accumule ces montants. Et je donne des bourses pour vous aider à bâtir vos commerces. Mais pour assurer votre protection, tu dois payer la piso. Le piso est un montant que tu donnes à ton parrain à chaque semaine. Le piso t'apporte du bien à chaque semaine. Le patron mange à sa faim à chaque semaine. Le boss t'aide à voir plus loin. Le piso est un bec. Ton oiseau en italien, le piso, c'est faire tremper le bec d'un sicilien. Mais le parrain est haïtien, un prince est né à Ottawa, un ontarien. Partage tes récoltes, partage ton blé, donne-moi ton enveloppe si tu sais apprécier. Partage tes récoltes, partage ton blé, donne-moi ton enveloppe ou tu seras ruiné. Partage tes récoltes, partage ton blé, donne-moi ton enveloppe et tu seras protégé. Partage tes récoltes, partage ton blé, donne-moi ton enveloppe ou tu peux m'oublier. Très sérieux. Vous êtes membre de l'organisation. Vous voulez monter les échelons. Je veux voir les enveloppes. Apporte ton enveloppe à chaque semaine. Tu travailles, donne-moi 10% de tes revenus. Tu travailles pas, donne-moi ce que tu peux. Mais montre-moi ton respect. Montre-moi que tu vas aller plus loin. Montre-moi que tu aimes ton parrain. C'est sérieux. C'est pas une gimmick, c'est pas une joke, c'est pas une blague, pas tant niaiser. C'est sérieux. Ce qu'on fait, c'est sérieux. Tu veux rentrer dans le réseau, faire des mouvements cartello, donne-moi ton enveloppe. Respect, loyauté, obéissance. C'est le code. Et tu rates jamais tes cibles. Si tu respectes toutes nos lois et gardes ta main sur la vie. Si tu te payes bien la piso et que mes mains sont jamais vides, tu deviendras un underboss et l'argent viendra rapide. Tu montreras vite de poste et en fait tu seras libre. La commission te donne une job, sois le plus top des cahiers. C'est comme ça que Monsieur Charlie est devenu un gagnant de la commission. Commission, 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 la commission. Si tu as l'air solide et que tu aimes les gros bolides. Si tu as les top de chef et tu rates jamais tes cibles. Si tu respectes toutes nos lois et gardes ta main sur la vie. Si tu payes bien la piso et que mes mains sont jamais le tu deviendras un underboss et l'argent viendra rapide. Tu montreras vite de poste et en fait tu seras libre. La commission te donne une job, sois le plus top des cahiers. C'est comme ça que Monsieur Charlie est devenu en tant qu'associé de l'organisation. Vous devez être parrainé pour joindre la commission. Relevez vos manches et commencez à travailler. Respect, obéissance, c'est un signe de loyauté. Le silence, c'est la première loi, c'est l'omerta. On fait des rois, notre cause, nommé Cosa Nostra. Par la suite, vous serez un soldat, alias soldato. Prêt pour la vendetta, TNB, Mafioso. Prochain grade, capo de China. Capitaine, capo, capo résumé. Des TNB, soldato. Pour notre vice indépendante, soit un affranchi suivant le code d'honneur de la commission TNB. Ici, tu fais du fric, plus de cash quand au pays, si on le donne. Des limites du circuit, maintenant tu fais du fric parce que tu obéis. Le patron du clan dans le sac d'introduit. À l'air est solide et tu aimes les gros bolides. Si tu as les top de chef et tu rates jamais tes cibles. Si tu respectes toutes nos lois et gardes ta main sur la vie. Si tu fais bien la piso et que mes mains sont jamais le tu deviendras un underboss et l'argent viendra rapide. Tu montreras vite de poste et en fait tu seras libre. La commission te donne une job, sois le plus top des cahiers. C'est comme ça que Monsieur Charlie est devenu un compagnie. Si tu fais des études, jury, jury.
une personne made de dick avec une discipline extrêmement stricte. Ton CV vestimentaire est ultra chic. Passe au bureau et deviens conciliaire. Bras droit du parrain, conseiller. Avocat juridique du padré. Ton seul client sera le parrain de la charité. L'omerta, la cosa nostra, c'est la mafia. Lâche.
l'abandon croise l'esprit. L'opposition rend plus fort, le succès se définit. Cet album est une venelle sur mon esprit. L'histoire qui suit, je divise la maquette indie. Un père affolé m'aperçoit au marché. Il m'interpelle avec respect dans l'allée. M'explique qu'il veut de l'aide, tout essoufflé. Calme-toi, respire, je lui ai répliqué. Ma fille dit-il, ébranlé, s'est fait violer. Les malfaiteurs par la justice sont libérés. Le juge et le jury ont délibéré. Faute de preuves, les consouriants se sont barrés. D'une voix tremblante, le père me dit qu'il veut payer. Afin que je puisse rapidement les éliminer. Je répondis sans mépris, cesse de m'insulter. J'suis pas un brigand, brigadier ni meurtrier. Les yeux en larmes, la tête baissée. Le père a périssé, mis à me supplier. Le père en maudit s'est très vite excusé. Par terre, ce père, est découragé. Lève-toi et fais de moi ton parrain. Et tes problèmes, tous tes dilemmes iront très loin. Tes soucis, tous tes ennuis brûleront enfin. Le père embrassa la bague rouge et noire de ma main. Trois semaines plus tard, en plein midi, on trouve quatre corps. Trois semaines qui ont subi au fond depuis ce sont ses ports. Trois semaines plus tard, quatre pédophiles sont enfermés. Trois semaines qui ont subi les voleurs, puis c'était leur sort. Un mois passa, un père entra dans mon bureau. Me demanda, est-ce vous qui me libéra de ce fardeau? Allez, assis-toi, prends un verre de Dissaro Nuno. Parrain, vous êtes notre Charlie Lucky Luciano. Dans la mafia, il y a une loi qu'on n'oublie pas. La Cosa Nostra, notre loi, c'est l'Oberta. Je ne crois pas, je ne sais pas, je n'entends pas, je ne crois pas, je ne trahis pas, c'est l'Omerta. Les moins astucieux à utiliser leur capacité sans faiblement acceptent peu responsabilité sans équivoque des ABC. En réalité, c'est que leur pédophile grosseur réhabilité. Parrain, je sais si bien ce que vous voulez. Tiens, ne questionne jamais ton destin. Si tu veux pas souffrir, la justice vient d'une main qui pourrait la saisir. Vous parlez me fait du bien, donc je vais partir. Merci pour cette faveur, vous me donnez du courage. Je vais avertir mes soeurs qui peuvent estomper leur rage. Parrain, vous avez un cœur, malgré votre âge. Vous êtes un bon directeur qui m'aide à tourner la page. Trois semaines plus tard, en plein midi, on trouve quatre corps. Trois semaines qui ont subi au fond de cuir, ce sont ses ports. Trois semaines plus tard, quatre pédos qui sont en paiement. Trois semaines qui ont subi les voleurs, puis ce sont leurs sorts. Je parle. Je voulais dire, on donnera à celui qui aime et à celui qui n'aime pas.